Good morning, Chelsea. Good morning, guys. Good morning, Kaden. Good morning, Mom. He's tired. Yeah, yeah. Which one you want to choose? Ce soir, vous avez une surprise à 18h, donc j'ai trop hâte de vous l'annoncer. Mais voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Là, j'ai un petit moment pour moi. Je n'ai pas arrêté depuis ce matin encore. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que je fous en ce moment, je fous trop de trucs. Je suis dans quelques trucs de biens immobiliers et aussi en train de finaliser le bateau. Où je vous mens pas, je galère pas mal. Mais Tchernan, ce sera bientôt fini. Quand je dis bientôt, c'est très bientôt. C'est dans les jours à venir. Si Dieu veut, hein, si tout se passe comme prévu. Et après, du coup, ce sera l'ouverture de Billionaire Yacht en septembre, enfin mi-septembre à peu près. Donc quand vous serez ce passage à Dubaï, il faudra absolument faire une soirée sur le Billionaire Yacht. Du coup, là, bah, j'étais un peu posée en mode je fais un petit goûter, puisqu'il est 15h. Et je regarde un peu mon téléphone et tout. Je voulais vous demander un vrai, vrai truc. Parce que moi, je le fais. On est influenceuse, donc je pense que vous le faites aussi. Est-ce que ça vous arrive de regarder les stories de gens qui vous donnent les nerfs? C'est-à-dire que les gens, vous les regardez. Il y en a, vous les regardez, vous savez pas pourquoi. Juste parce qu'en fait, ils vous agacent, vous avez envie de regarder. Genre, ils disent des trucs de merde, vous savez que... Enfin, vous savez que ce qu'ils vont faire ou dire, ça vous saoule. De toute façon, vous voulez genre... Je parle pas de gens que vous aimez pas, hein. C'est pas des gens que vous aimez pas, mais personne que j'aime pas que je regarde cette story. Mais je parle de gens que, genre, ils vous saoulent leur manière de parler, ou leur façon de faire, ou leur mimique. Par exemple, un qui fait toujours ça, quand il parle, ou des trucs comme ça, tu sais. Genre, des trucs comme ça, c'est tellement énervant. Bref, c'était la petite aparté. Sinon, on m'a beaucoup posé de questions, quand est-ce que c'est la rentrée des enfants, est-ce qu'ils vont à l'école? Donc bien sûr que les enfants, ils vont à l'école, sauf Chelsea, là, ne sera plus, du coup, dans la même école qu'avant. Elle change d'école, elle n'est plus dans la même école que son frère. Donc Aiden va toujours à la même école, Chelsea, non. Elle passe en KG1, ce qui équivaut à près de 2 années de maternelle en France. Et on m'a demandé quel cursus j'ai pris, donc c'est ni français, ni anglais. La base, elle est dans une école islamique. Voilà, je l'ai mis dans une école émiratie où donc du coup elle apprend vachement l'arabe, l'islam, etc. Et après, bah, bien évidemment, ils font l'anglais aussi. Mais c'est pas une école anglaise ou une école je sais pas quoi. Voilà, c'est une école locale d'ici, émiratie. Donc je suis contente. Voilà, je me dis Chelsea va rencontrer des belles personnes. Elle va tout apprendre à l'école. Finalement, c'est elle qui m'apprendra. Voilà, donc j'ai hyper hâte. Hyper hâte, c'est dans quelques jours la rentrée. Ça va me faire trop trop bizarre de l'amener à la grande école comme ça devant. Parce qu'ici c'est complètement différent. Je vous montrerai de toute façon. Mais la grande école, devant le portail, tout ça. Et puis c'est mon bébé quoi. Hein. Je vous rappelle, plus qu'une semaine pour gagner les 2000 euros sur l'application de la GLC Family. Donc, j'ai trop hâte aussi de vous annoncer le ou la grande gagnante. Pour l'instant, le score est toujours à 141. Voilà, il vous reste 7 jours pour battre ce score. Je vous fais des gros bisous. Fayot, my Emin, Gelek. Fayot de ouf, carrément. Allez, allez, let's go. N'oubliez pas, dans 2 heures, j'ai une grosse, grosse, grosse surprise pour vous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pensais être arrivée chez moi avant de vous faire cette story, mais pas, je suis en voiture. Parce que du coup, on a acheté une nouvelle voiture et en fait, elle est prête maintenant. C'est une voiture familiale pour le driver. Je vous fais la story maintenant. Il est 18h, comme promis. J'ai une grande surprise pour vous. On a décidé, TF1 et moi-même, vous savez, la diffusion, elle est dans 7 jours. De la GSI Family saison 4, mais on a décidé de vous faire kiffer et aujourd'hui, là maintenant, disponible premier épisode en avant-première sur MyTF1 de la GSI Family saison 4. Donc let's go les amis, c'est go partir voir le premier épisode.
J'étais pas trop connectée aujourd'hui parce que j'avais grave de trucs à faire, mais je viens de voir ce qui s'est passé hier au stade donc de Nice quand ils ont joué contre l'OM. Je trouve que c'est scandaleux. Je vous dis la vérité, moi quand j'étais plus jeune, je suis déjà allée dans la Brigade Sud, dans la BSN. Voilà, je suis une fille de Nice, je suis niçoise, donc forcément je suis déjà allée. Alors ok, il y a ce truc de bah voilà, chacun défend sa team, l'OM ils ont leurs supporters, Nice ils ont leurs supporters, etc. Mais c'est une honte. C'est ça, là, ce qui s'est passé, c'est une honte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, carrément, les supporters s'en prennent même aux joueurs. Voilà, c'est vraiment dégueulasse. Je pense que même les joueurs de l'OGC Nice, je vous dis la vérité, au fond, ils ne peuvent rien dire, ils n'ont pas le droit de parler. Mais ils doivent être dégoûtés de ce que la Brigade Sud ont fait. Parce que, tout simplement, ça va trop loin. Ça va trop loin. Déjà, ça fait un an et demi en France, personne n'arrive à vivre normalement. Vous avez la chance, les matchs reprennent, vous pouvez sortir, voir vos matchs, voir vos équipes et tout ça. Ok, vous les supportez, ok, vous chantez, vous insultez. Jeter des projectiles comme ça sur des joueurs, alors qu'ils sont là, à la base, c'est un sport collectif, ils font du foot. Vous leur jetez des trucs dessus, et parce que Dimitri Payet répond, vous envahissez le terrain, c'est de la folie. Déjà, moi, je dis bravo à Dimitri Payet, je vous dis la vérité. Parce qu'en fait, c'est une personne comme un autre, c'est un frère, c'est un père, c'est un ami, c'est un mari, c'est un joueur de foot. Et c'est pas parce qu'il est dans une équipe que vous aimez pas, que c'est normal qu'ils se prennent des bouteilles dans la gueule et tout. C'est la psychiatrie. Donc déjà, moi, je lui donne tout mon soutien à Dimitri Payet pour ce qui s'est passé. Voilà, premièrement. Pourtant, je suis niçoise. Hein, et à la base, je suis pour le GC Nice. Hein. Enfin, maintenant, je m'en fous, je suis grande. Mais je veux dire, quand j'étais jeune, j'étais à fond. Franchement, je voulais dire aux supporters de la Brigade Sud, en tant que niçoise, je trouve ça hyper triste. En fait, hyper triste ce que vous faites. Parce que finalement, vous pensez que... En plus, vous êtes contents, ouais, ils ont gagné par déclaré forfait. Mais ils ont déclaré forfait parce que vous les dégoûtez de leur propre métier. C'est ça le truc, c'est scandaleux en vrai. Ils sont en danger, jouer au foot, ils sont en danger les mecs. C'est pas normal. S'il faut, il y avait leurs enfants qui regardaient le match avec leurs femmes. S'il faut, leurs femmes et leurs enfants, ils étaient dans une tribune. Et ils voyaient leur père et leur mari se faire projeter des trucs comme ça dessus pour un match de foot. Mais vous trouvez pas que vous allez trop loin? Mais c'est la folie. Mais on vit dans un monde de yéyé. De taré. Et c'est quoi le prochain coup? Après, Nice, ils vont jouer à Marseille, et puis ceux de Marseille vont vouloir se venger. Du coup, ils vont tabasser les joueurs de foot niçois. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est un délire. Et la sécurité, bah, visiblement, il faut la renforcer, parce que là carrément, vous n'êtes plus la BSN, vous êtes des hooligans. Franchement, c'est triste. Je vous dis la vérité, ça fait archi de la peine. Archi de la peine, parce qu'au final, quoi qu'il en soit... Comme vous le savez, hein, les joueurs de foot, de toute façon, le jour en main, ils peuvent être changés de club. Dimitri Payet, s'il faut, il aurait pu être à l'OGC Nice dans l'année prochaine, ou je sais pas quand. Et vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous faites. Vous envahissez un stade de plein d'enfants et tout. Enfin, je sais pas. Ouais, là, certainement, les Niçois, ils vont m'insulter. Certainement, il y a des comptes qui vont dire que, je suis une connasse. Mais en fait, non, je suis juste réaliste. On parle de joueurs de foot qui sont là pour vous faire kiffer. Bien évidemment, vous pouvez supporter la team que vous voulez. Bien évidemment, vous pouvez chanter, crier, enfin, tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'il y a quand même des limites à ne pas franchir. Voilà. Il y a des limites à ne pas franchir. Et aujourd'hui, on est là, tout le monde, je vois tous les influenceurs, ils parlent d'un tel qui parle des influenceurs ou un tel qui parle des influenceurs. Et on s'en tape. Mais il n'y a personne, j'ai pas vu quelqu'un là ouvrir sa bouche pour soutenir Dimitri Payet, en fait. Parce qu'au final, peut-être le mec même, il aurait pu risquer d'avoir, lui, des problèmes dans son travail. Mais sa réaction, elle est humaine. Sa réaction, elle est normale. Je veux dire, qui réagirait pas pareil? Tu pètes un câble. C'est un truc de fou. Donc voilà. Je suis pas marseillaise, je suis niçoise, mais je voulais donner tout mon soutien à Dimitri Payet. Non, à part ça, je pense que je suis la seule de toute ma communauté qui n'a pas encore vu le premier épisode de la GLC. J'ai grave la rage, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, à Dubaï, genre, c'est très compliqué de se connecter, comme à l'étranger. Du coup, il faut que vous alliez sur Internet ou que vous ayez un truc spécial. Donc voilà, on est en train de galérer pour essayer de me faire voir le premier épisode. Si on pourrait avoir un troisième enfant maintenant, je pense que ce serait le mieux.